je fais tache en rouge avec mon fond bleu maintenant. Faut plus que je mette de rouge, c'est fini. Allez, soyons sérieux. Pas de panique, tout va bien. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, je voulais vous montrer mes petits achats que j'ai effectués sur la boutique Elikla et mon Wonderland. Une boutique que j'ai découvert très tardivement, mais que maintenant je reste complètement fidèle. C'est la seule boutique sur laquelle je commande avec Permenco. Mais ça c'est différent, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et il faut que le bordel là-haut le stand. Sinon, en dehors de ça, je vais soit chez Cultura ou soit chez Pickwick. Le Pickwick, c'est hors de prix. Enfin, Cultura aussi, tu me diras. Mais bref, quand on n'a pas le choix, voilà. Enfin bref, si jamais vous vous demandez où est-ce que j'achète tous mes trucs, bah maintenant, vous savez tout. Voilà, c'est comme ça. Sinon, oui, alors, on revient au petit mouton quand même. Du coup, j'ai effectué mes petits achats sur la boutique Big Clean Monorail. Donc, il y a vraiment pas grand-chose. Hein. J'ai pas fait de grandes folies. Et en fait, elle a fêté son anniversaire il y a pas très longtemps. Et pour fêter ça, elle a offert moins de 35%. C'est un truc de base. C'est hyper méga généreux. J'ai rarement vu des boutiques faire autant de réduction à ce point-là, quoi. Je cherche mes mots, excusez-moi. Du coup, moi, j'ai pas la bourse à rouler, et ben, je me suis un petit peu jetée dessus, quoi. J'ai fait ma rallye, quoi. Hein, voilà. J'ai reçu ma commande ce week-end, mais je fais la vidéo que maintenant, c'est pas très grave. Hein. Je retarde que jamais, comme on dit. D'habitude, je fais jamais ce genre de vidéo-là, mais plus ça va, et plus j'en fais, hein. J'en fais pas énormément non plus, parce que je commande pas mon contenu. Le porte-monnaie ne le permet pas. Voilà, ça me fait penser que je crois que j'ai complètement oublié de te souhaiter un... Enfin, je sais même pas si tu regarderas la vidéo. Mais je crois que j'ai oublié de te souhaiter un joyeux anniversaire à ta boutique. Pense à moi. C'est pas bien. Donc, je sais pas si tu seras là, mais je te souhaite un très joyeux anniversaire avec un petit peu beaucoup de retard. Et mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Voilà. Bon, j'arrête tout de suite de blablater, hein. C'est bon, j'arrête, tu me tais. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté sur la boutique. Donc, on y go. Donc maintenant on a le droit aussi à un joli petit flyers comme ça qui explique que Vanessa elle est toute seule à faire son tri, à faire le tri de tous les apprêts. Donc il peut y avoir des défauts, c'est normal, l'erreur est humaine, c'est bien pour ça qu'il y a des gommes au bout des crayons. Et s'il y a des gens qui se permettent de critiquer, je trouve ça vraiment très, comment je peux dire, sans être vulgaire. Bref, je pense qu'on a compris. Si des gens se permettent de critiquer son travail, c'est qu'ils sont vraiment très ingrats. C'est vraiment des gens pas très recommandables. Enfin bref, c'est que mon point de vue, hein. Je dis ça, je dis rien bien évidemment. Bref, voilà, moi jusqu'ici j'ai jamais été déçue, donc c'est pour ça que je ne me permettrai jamais de critiquer. Donc voilà, j'ai droit à deux petits sachets en organza bien remplis quand même, hein, l'air de rien, il y a quand même pas mal de petites choses. Donc on va découvrir tout ça, parce que moi j'ai toujours pas regardé du coup, même si je sais ce que j'ai acheté à peu près, logique. Hop, je sors tout d'un coup. Voilà, ça c'est fait. Ah, on a le droit toujours à des jolis petits cadeaux, on verra après. Et donc voilà, grossièrement, tout ce que j'ai pris. Si je cadre pas, c'est pas génial. Voilà. On commence. Allez. Donc pour commencer, j'ai pris toute la gamme des apprêts en gun métal. Parce qu'en fait, j'en avais quelques-uns, mais j'en avais pas assez pour faire des bijoux. Donc du coup, là, j'ai pu me faire plaisir et puis prendre plein de petites choses. J'ai pris 3 lots de chaînes qui font chacune 2 mètres. Alors je vous mettrai les prix en bas parce que là je les ai pas sous les yeux, donc voilà. Excusez-moi. Hein. Donc ouais, bref. 3 lots de 2 mètres de chaînes en gun métal, en gris anthracite si vous préférez. J'ai aussi le lot de tiges à œil, le lot de tiges à tête plate. J'ai aussi les supports de boucles d'oreilles, les anneaux en 4, 6 et 8 mm. J'ai du mal à les cadrer. J'ai aussi pris les petits fermoirs, un lot de 6 et j'en ai pris 3 petits paquets. 6 x 3, 18. Bien les mathématiques. Et des petites bélières. J'ai cherché le mot. Oh, dis, j'ai du mal aujourd'hui. Excusez-moi. Voilà, il y en a 3 à chaque fois, 3 petits lots de 3. Voilà, je les adore ces petites bélières-là, elles sont super sympas.
Donc voilà, ça c'était pour les apprêts en wood metal. Ensuite, au niveau des breloques, j'ai fait un mini stock parce qu'en fait j'en avais déjà pas mal, donc j'avais pas besoin de beaucoup plus. Mais alors je suis tombée sur celle-ci et je l'ai trouvée trop mignonne. C'est des petites tortues trop choupinou. Je les kiffe, elles sont trop mignonnes. Donc c'est un lot de 4 petites tortues. Et pareil pour celle-là, quand je les ai vues, j'ai trouvé ça trop excellent. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, j'en ai aucune idée. Mais j'ai trouvé trop mignonne aussi, c'est des petits cintres. Je les adore. Là c'est pareil, c'est un lot de 4. J'ai repris mes petites fées clochettes, les grandes. Je les adore, ceux-là. J'en avais encore, mais j'en ai jamais assez. Donc voilà, j'en ai pris 2 petites fées clochettes. Petite, tout est relatif. Ça, c'est pareil, j'en avais encore, mais j'en ai repris 2 quand même. Des petits attrape-rêves qui sont bah, top. Moi, je les adore, ces petits attrape-rêves-là. Ils sont très mignons. Et là, je crois que c'est mon coup de cœur de la boutique. Et ça paraît pas grand-chose, mais je les adore, ces trucs-là. Oh, le truc de dingue! C'est des petits connecteurs comme ça en forme de papillon. Je crois qu'elle appelle ça des papillons. Je les adore. Je les utilise beaucoup pour la résine, pour mes petits papillons en résine. Ils sont magnifiques. Je les kiffe de trop ceux-là. Donc du coup j'ai pris 4 paquets et dedans il y en a 6. Oui ça, 6. 6 petits connecteurs. Voilà, je cherchais le mot. Mais j'y arrive plus aujourd'hui, dis donc. 6 x 4. Voilà. On est bien, comme ça moi je suis contente. Il m'en restait, mais voilà, j'en ai jamais assez de ces petites choses-là, je les adore. Donc voilà, ça c'était pour les breloques. Même si ça c'est pas vraiment des breloques, on va dire qu'on est quand même. Voilà. J'ai repris aussi, c'est des porte-clés, parce qu'en ce moment je fais pas mal de porte-clés et j'en avais plus. Donc du coup, voilà, j'en ai repris 5. Enfin, c'était un lot de 5 porte-clés. Moi j'ai. Voilà. C'est tout con, mais moi j'aime bien. Ensuite, j'ai pris des supports de bagues. Alors principalement, c'était pour mes filles, parce qu'elles veulent que je leur fasse des bagues et j'en avais pas beaucoup pour enfants. Donc du coup, là, j'ai pris 3 lots de 2. Donc du coup, bah, mes filles vont avoir plein de jolies petites bagues. Enfin, 3 chacune, du coup. Voilà, des bagues pour enfants. Et du coup, j'en ai profité pour prendre des bagues pour adultes aussi, avec plateau, parce que les autres bagues qui n'ont pas de plateau, je les aime pas. Enfin, c'est difficile à utiliser. Je préfère celle avec un plateau. C'est que des goûts personnels. Voilà. Donc du coup, ouais, 3 lots de 2. Pareil. Ensuite, voilà. J'ai refait un petit stock aussi sur les bélières. J'adore ces bélières-là, elles sont trop belles. Donc là, j'ai pris 3 lots de 3, comme ça. Ils sont magnifiques, ceux-là, je les adore. Je viens de voir que mon vernis, il flash énormément avec mon t-shirt rouge, ça fait horrible. Bref, on s'en fout. Donc ouais, des petites bélières comme ça, qui sont toutes jolies. Et encore des petites bélières, celles-là, je les adore aussi, peut-être même plus. Donc là j'ai pris 4 lots de 3, non de 4, 4 lots de 4, pardon. Elles sont en forme de feuilles, elles sont magnifiques, je les adore. Elles sont trop belles. Voilà pour les petites bélières, moi j'adore les petites bélières, c'est tout mignon. Voilà. Et pour finir, un petit lot de support camé. Cabochon, ça dépend comment vous appelez ça. Donc dans celui-là, j'en ai pris 5, c'est les supports classiques, les petits, mais moi je les adore ces supports-là. Voilà. C'est des supports tout simples, tout classiques, mais je les adore. Et j'ai pris les mêmes, enfin, ouais, presque les mêmes en modèle beaucoup plus grand. Donc là, il ne restait plus que 3. J'en voulais 5, mais il n'y en avait plus. Du coup, j'ai pris les restes, pardon, j'y arrive plus, au secours. J'ai pris les 3 derniers qui restaient. C'est moi qui a fini le stock, excusez-moi. Enfin, je crois, hein. J'ai peur de dire une bêtise. Enfin bref, voilà, 3 grands supports comme ça. Une différence de taille quand même. Ensuite, voilà. Pour changer des ronds, des ovales, et ben j'ai voulu en prendre des rectangulaires. Des tout simples aussi, mais moi j'adore tout ce qui est simple. 2 petits supports comme ça. J'ai aussi pris 2 supports en gouvernail. Non, des encres. Oh, dis, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? C'est horrible. Vous m'excuserez, hein. J'ai pas fait exprès. Donc voilà, 2 petites... Attends, 2 supports. Camé, encre de bateau. Voilà. J'ai parlé en saccadé. Et pour finir, mon support camé est dans ma petite commande au total. Voilà. Et bah, 2 petits supports en flocons de neige, comme ça. Qui sont tout mignons aussi. Donc voilà pour ma petite commande, toute petite commande. Mais quand même, il y a pas mal de petites choses, hein. Donc il me semble que j'en ai eu pour 16 euros. Si je dis des bêtises, je vous mettrai un astérix sur la vidéo pour vous dire exactement le prix. Mais à savoir aussi que j'ai quand même bénéficié de moins de 35%, ce qui n'est pas rien, ce qui est même énorme. Donc voilà.
Et en plus de ça, et bah, c'est Laura a des jolis petits cadeaux. Enfin, je sais pas ce qu'il y a, mais je sais que ça va être joli, c'est sûr et certain. Oh là là. Oh mais oui. Alors déjà, on a les petites cartes. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, ce qui me paraît logique. Et on a droit à des jolis cadeaux ou des mignonnes petites perles. Super sympathique. Des petites cuillères. Oh, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est horrible. Des petites breloques cuillères comme ça, toutes sympas. Oh, purée, qu'il est beau, lui. Oh, comment il est magnifique. Ah, je suis trop fan. En plus, je cherche en ce moment des chandeliers, c'est excellent. C'est un petit chandelier en forme de papillon. Oh, je suis trop fan. Il est trop beau. Excellent. Donc, il y a aussi un petit support camé comme ça, avec le lapin de Alice. J'adore. Une petite montre à gousset. C'est magnifique. Et bah en plus, c'est super ça. Un porte-clés, ça tombe très bien moi quand vous voulez. Et bah voilà. Mais voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que j'aurais pas été trop lente, que ça aurait été assez rapide. J'essaye de faire des vidéos courtes, mais je sais toujours pas, j'ai toujours pas trouvé le remède. Je sais pas comment faut faire. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo en ma petite compagnie vous aura plu. C'est rien con cette phrase. N'hésitez pas franchement à aller sur sa boutique. Hein. Franchement, elle est topissime. Moi, je suis très 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 fan de cette boutique. Et de Vanessa, qui est très 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 gentille. Mais en attendant, bah, moi, je fais tout plein de gros poutous. Et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.